Ensuite, on commence par vous écouter chanter avec un tube qui est sorti en 1987, le premier tube, hein, Joby Joba. Joby Joba. Joby Joba, cada día yo te quiero más. Joby Joby, Joby Joba, cada día yo te quiero más. Joby Joby, Joby Joba, cada día yo te quiero más. Joby Joba, cada día yo te quiero más. Joby Joby, Joby Joba, cada día yo te quiero más. Joby Joby, Joby Joba, cada día yo te quiero más. Joby Joba, cada día yo te quiero más. Joby Joby, Joby Joba, cada día yo te quiero más. Joby Joby, Joby Joba, cada día yo te quiero más. Vale, hombre, hombre. Escapados, campanola. Ah, bah, hombre. Patrick. C'est à moi. Vous avez démarré cette aventure à Saint-Tropez, où pendant des années vous chantiez sur les terrasses des restaurants et des petites soirées, jusqu'à ce que vous rencontriez Brigitte Bardot, archive de Brigitte, qui danse sur la plage sur votre musique, et vous êtes à la guitare. Elle a lancé votre carrière ? Incroyable. Non, mais nous, dans notre carrière, que ce soit les Gypsy Kings ou Chico et les Gypsy aujourd'hui, elle a vraiment été importante. Il y a eu un avant et un après Brigitte Bardot. Ah oui. Puis surtout, on n'était pas connus. Elle mettait une perruque et une jupe, elle venait danser avec nous et les gens disaient, mais c'est incroyable, la danseuse, elle ressemble à Brigitte Bardot. Même sur la perruque, hein. Ah non, mais la jupe. Incroyable. La gitane blonde. Une fidélité jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui est... Quelle est sa chanson préférée ? La Donna, on lui avait écrit une chanson qui s'appelle dire La Femme. C'est un hommage à toutes les femmes à travers Brigitte Bardot. Et c'était vraiment, ça nous a apporté bonheur. C'était notre marraine. Quel âge vous aviez là ? Bon, là, j'avais, je sais pas, une 30, 57 ans. Non. En 82 ? En 82. Pas 30 ans. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Vous avez un terme pour résumer, c'est ce qu'on voit là, c'est l'âme gypsy. Qu'est-ce que c'est ? L'âme gypsy, ben, c'est ce bonheur que nous avons à partager des moments incroyables. C'est, je sais pas, la musique, la bienveillance, la fraternité, la fête. Et puis c'est, ce mot de fête, c'est ce que nous avons, qui nous a porté bonheur dans le monde entier. Ça a démarré à Saint-Tropez, mais ça a fait le tour du monde et ça continue. 25 millions d'albums vendus dans le monde entier. Votre musique, elle plaît aussi bien à Dubaï qu'au Japon. Bamboléo, il n'y a pas besoin d'avoir une version japonaise. Non, et c'est avec plaisir que nous la faisons. Exactement. Bamboléo, bamboléa. Yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo. Porque en mi vida yo la prefiero vivir así. Ese amor llega sin de esta manera. No tengo la culpa. Amor de cumplimiento, amor desde el pasado. Ven, Belén, ven, Belén, ven, Belén. Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la prefiero vivir así. C'est pour entraînant. Et 25 millions d'albums, pas un centime de bénéfice. C'est pour ça que oui, la vie c'est est pour dure. Ça. Ah, oui, ils sont mais votre musique quand même fait des miracles parce que vous avez ouvert un lieu culturel en Arles. Ouais. Et un soir, vous faites une représentation par mois. Et un soir, tout le monde était parti, vous avez retrouvé une canne. Ça veut dire que quelqu'un était arrivé avec et est reparti sans. Voilà. C'est la force du patio. Non, non, mais c'est incroyable. C'est la magie. D'arriver et puis... cette belle fête que nous faisons aussi bien en Arles que partout en tournée dans le monde entier, ouais. Ben, le 11 décembre au Casino de Paris, ben, c'est là que je vous invite tous à venir faire la fête avec nous. On sera là, il y aura peut-être des miracles. Attention, rendez-vous est pris. Okay, Vous les aurez vus à Arles avant,
Ils ont un lieu magique. Ouais, pourquoi c'est pas pareil? Ah, ouais, non, mais on est en voisin. Eh oui. Avec Bob, un miracle là tout de suite, volar, volare. Ah, volare, volare, oui, volare. Ça c'est ça. Volare. Volare. Ah, je l'avais bien volare. Dit, oui, c'est voilà le miracle. C'est volare. Tomato, tomato, que el sol y detrás del mundo sale eco del paso de mí. Una música dulce tocaba solo para mí. Además, volaré, oh, cantaré, oh, 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 oh. De pinto divo, felice di stare. Chico, vous venez d'évoquer le concert du 11 décembre au Casino de Paris. Vous serez accompagné de vos petits-enfants et de vos enfants. Et regardez, la relève, elle est vraiment assurée. Mes enfants, mes petits enfants, j'ai la chance d'avoir une famille d'artistes incroyable. Je vous dis pas, mais c'est ce bonheur, quand je parle de bonheur partagé, c'est ça que je veux partager. Lui, c'est le fils de José, d'un musicien à nous qui chante. Mais vous avez vu la voix qu'il a? Incroyable. Et à gauche, c'est Cyril Hanouna, à gauche. Non, mais il est incroyable.